Coucou du mal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tourne sur ma chaîne, soit dit, donc je suis trop heureux de vous faire. J'ai enfin une nouvelle poupée pour vous, un nouveau unboxing. Donc je suis extrêmement hypée aujourd'hui. Je suis crevée, mou comme un flan. A little bit like a zombie, wink wink. J'en profite d'être back at my parents' house hein, pour un tout petit moment pour pouvoir filmer ici parce que je préfère largement filmer ici, bien qu'il n'y ait aucune poupée du coup. But today, toute la journée, je me suis trimballée avec ça pendant que j'allais au travail pour économiser des trajets. Et à chaque fois, je le précise bien à mes collègues qu'il s'agissait d'une bombe à l'intérieur. Je voulais les rassurer. Du coup, c'est une nouvelle poupée que j'ai aujourd'hui. J'ai tapé un petit sneak peek pendant, après avoir fini parce que j'avais trop hâte. C'était long, ok. Tout le long, je conversais avec elle dans sa boîte. Et en fait, j'ai lié un lien très puissant avant même de l'avoir ouverte. Le truc, c'est que je l'ai acheté sur Vinted. Cette poupée, aujourd'hui je suis liée de mes zombies et hi. Ouais. Why do you feel concerned? Pourquoi tu te sens concernée? Est-ce que je... Girl, get back a little bit. Oh, tu veux une place? Ok, je sais pas. Oh, yikes, well. Everything is fucked up. Today. J'ai regardé mes vidéos récemment et j'ai trouvé une forte frustration à ce que je parle pendant 3 heures avant d'ouvrir. Genre c'est mieux quand... clique sur une vidéo notamment où vous regardez, vous voulez regarder une revue d'une poupée que la personne elle est direct pointée dessus, déjà elle monte pas sa gueule, elle monte le truc et c'est comme ça que la vidéo commence. C'est mieux sauf que moi j'ai envie de vous parler, j'ai une histoire à vous raconter. Ok, il s'agit d'une freaking zombie gaga. I do have a second zombie gaga and I'm crying. J'ai déjà vu sa tête mais j'ai pas pleuré. C'est vraiment genre ouvrir le carton, j'ai regardé sa tête et ça m'a rendu belle. So oh attends quoi. Look at her. How y'all doing? This is Zombie Gaga. Hey, oh my god. Okay, elle a toujours le petit foufou. Oula, la personne aussi, elle a laissé la poussière un peu genre. Yikes. Le truc avec Zombie Gaga, c'est dingue de se dire que j'ai une génération 2 que j'aime. C'est même une de mes préférées de ma collection. Maintenant j'en ai deux, enfin c'est la même personne, mais genre, c'est dingue. Ah, enchantée, ouais. Oh. C'est bizarre parce qu'elle a pas sa bulle, mais elle a... normalement elle a un trou dans la bouche. C'est super petit, on dirait vraiment qu'elle a pas trop dans le bouche, genre c'est bizarre. Lorsqu'enfin, ça devait être pour la période d'octobre 2016 où Zombie Gaga est sorti pour Halloween et tout ça, la collaboration avec Lady Gaga du coup, qui m'a pas étonné tant que ça parce que avec Monster High, j'ai toujours été au courant que c'est eux les boss quoi. Don't you wanna be a monster too? Et en 2016 quand ils ont sorti cette poupée, putain madame ma mère, regardez belle cette poupée hein, elle, franchement elle est belle hein, wink wink. Et mais j'ai fini par l'avoir en Noël 2018 du coup. Et waouh, je me rappelle que mes premiers posts sur Insta c'est elle. Et c'est une dinguerie de se dire que déjà depuis 2018 quand je l'avais finalement l'avoir, que je l'ai finalement eu. Waouh, mais aujourd'hui vous attendez pas à ce que je sache parler. Elle est à 60€, 9 en boîte. Et s'imaginer l'avoir en 2024, 9 en boîte, 60€. Cette poupée qui est du coup avec l'autre tenue, parce qu'elle vient avec deux tenues dans une boîte. Le costard étant la majorité, la première, et puis on a celle-ci. J'y mets deux ans, j'ai enlevé son truc, je fais exprès ou quoi. Oh, la poussière, yo. Du coup, elle comme ça, sans boîte. Oh, les cheveux sont lourds. Je l'ai eu à 109€. Et c'est horrible de se dire que ça vaut extrêmement le coup. Quand j'ai vu l'annonce sur Vinted, je l'ai acheté direct. Parce qu'en vrai, la première idée que j'ai eue... Ah, j'ose pas lui dire maintenant. Je lui ai dit que j'allais lui dire un truc, mais... dans son regard, je vois trop d'amour et je vais être une taille, quoi. Je voulais l'acheter pour la revendre. Because... parce que je sais que... l'acheter à... enfin, elle coûtait 99, puis 10 jours de livraison, du coup 109. Moi, la livraison, c'est dans le prix, je l'ai acheté, c'est le prix, je m'en fous de la poupée. Ayant acheté à 109, j'étais sûre de facilement la pouvoir la revendre à 289. Donc je me ferais 180€ dans la poche, dans la peau, j'ai dit. Le truc c'est que après elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit: toi, recevoir une poupée et la vendre, j'ai jamais vendu une poupée de ma vie. Genre, je lui ai dit mais je l'ai déjà, genre ça va pas être très dur pour moi de la vendre. Et puis flashback de quand j'ai finalement eu celle-là après la vouloir pendant des lustres, je me suis dit que je vais re-avoir ce sentiment-là. Re-ouvrir une poupée après l'avoir déjà eu, c'est aussi magique, je me rappelle des glitches j'avais fait. Oh, c'est pas que ça referait le même effet après l'avoir déjà. Genre, avoir une poupée que j'ai déjà, ça va être aussi magique. Attends, mais il a même pas enlevé ses lunettes, elles sont encore accrochées à ses cheveux, genre oh my god, trop bien. On a le socle, mais sans la base, genre.
Je crois, première fois que j'ai des bases sans truc bon, parfait. Ok, la personne, elle a pas mis 20. Ah si, si. Ah si, elle a mis 20 000 trucs bon. Enfin, pour une fois, j'espère qu'elle l'a fait, tu vois. Bref, je voulais pas lui dire, pour pas lui décider que je vais. Ah si, il y a le bout du socle, je crois. Je voulais pas lui dire que je l'ai acheté pour la vendre parce que franchement, c'est pas la personne que je suis. Et j'avoue que j'avais passé commande et je me suis dit, mais MDR, mais je voulais pas pour la revendre. Genre, moi revendu, non. Because I got so much love. Et puis, dans tous les cas, même si après je la revoudrais une autre fois, bah, même 109 euros, c'est vraiment le coup. Pour le coup, j'ai vraiment une bonne occasion, quoi. Donc, du coup, elle a cette deuxième tenue et je pourrais display les deux avec deux tenues. J'ai encore une paire de twins en plus. Enfin, elle, c'est pas des twins, directement, c'est pas la Mongolia, mais. There are the zombies. I have 4 zombies. J'ai 4 poupées zombies. Ah non. J'ai pas de zombies. Du coup, j'ai 4 poupées zombies, mais c'est 2 personnes différentes. Je... Wow. Look at her. Look at her. Cette lumière bleue dégueulasse, elle lui fait pas honneur, mais c'est pas grave. Here she is. Regardez si leurs têtes sont similaires. Elles ont toujours des têtes différentes parce qu'au moment de la. Ouais, ouais, bah ouais, super bonne première bonne impression. Au moment de l'impression, justement, quand leurs têtes sont. Il y a toujours le petit truc à encre qui a potentiellement quelques millicentimètres de différence, du coup. Mais leurs têtes ont quand même l'air. Genre, pareil, lol. Peut-être. Ah non, j'ai cru que le truc était plus long, mais genre. Ouais. Et ouais, du coup, genre le bubblegum, comment il. Je me rappelle plus comment il. Girl, sorry. Girl, get the fuck. Girl, give it to me. Girl. Alors, je pensais avoir tort comme d'habitude, mais absolument pas. C'est fou. En fait, elle, on peut pas lui mettre. Mais... C'est bizarre. Peut-être qu'il avait. J'ai jamais remarqué, mais qu'il l'avait revendu sans le bubblegum. Après, peut-être qu'il y avait eu des accidents. Si les gamins ont avalé, c'était pas fait pour vous. Donc, pourquoi. Pourquoi ils l'ont. Bref. Ses cheveux, j'aurais l'air un peu plus jaune sur celle-ci, alors que. J'allais dire que la mini puis est mignon, genre. Gaga. Gaga. Petit détail ici de la poussière pour représenter le nombre de temps que ça fait qu'elle slay. Et. C'est incroyable, je suis sûr. C'était vraiment ma partie préférée, je me rappelle, je savais toujours. Je suis vraiment trop content d'avoir une deuxième zombie gaga putain de race. Mais ma première zombie gaga, j'ai essayé de lui rentourer les cheveux autour du chouchou parce que c'est très trop joli comme ça en fait. Mais en fait, je me rappelais pas que elle était aussi sur le côté de base. J'ai essayé de lui rentrer et franchement, c'est impossible. Peut-être qu'il y avait. Elle a quand même un petit mécanisme, un petit trou, donc peut-être qu'il y avait. Qu'ils avaient juste changé le bout. Bon, évidemment, j'ai cassé le putain de bubblegum, donc j'arrive pas à les remettre dans la bouche. Et c'était sûr, enfin. C'était vraiment la première poupée à partir de laquelle j'ai pas. Je l'ai collectionnée à partir d'elle. Elle m'a vraiment fait signer le contrat de loyauté. Mais du coup, j'avais juste cassé son petit nœud papillon que ma mère a recousu. Et il y avait aussi un autre truc, je crois. Mais du coup, vraiment, à partir d'elle, j'en ai pris soin. D'autant plus quand. Là, j'ai arrêté après, même elle, encore une fois, c'est une G2, genre. Le seul truc chiant, c'est le fait que ses yeux soient un peu différents. Je pense pas qu'elle reste là et plus si c'était une G1, pas du tout. Mais c'est quand même la seule G2 que j'aurais dans la zone d'air. Enfin non, j'ai Harry. Yes, she's so pretty. I don't know what to fucking say. On a un message de... Ivanovic86 qui m'a demandé... Alors, verdict, vous en êtes content? Je pense qu'il s'est potentiellement dit qu'il devait en rêver, je devais en rêver depuis un moment et l'avoir en ma possession, c'est vraiment incroyable. Bah, toujours en fait, toujours autant. Et je compte pas la revendre. Nobody asked. Je pensais même pas de base, hein, c'était pas vrai. Je suis très heureux de l'avoir acheté à un collectionneur parce que, encore limite, ses cheveux ondulés et tout, il l'a pas vraiment touché. Elle a même encore ses lunettes accrochées, elle a son chou, elle a. De la poussière. Je la lavais dans une partie 2 que vous verrez après ça. Mais en tout cas, moi, pour aujourd'hui, je vais vous dire au revoir. It's the girl's first bath. And she looks like she should smell like strawberry. Je suis pas sûr que tout ait besoin d'être lavé tel que les résis comme ça, mais j'ai quand même le faire. La poussière, ses cheveux sentiront l'huile d'herbe. C'est une petite ceinture de AV à trotteur parce que je l'avais avant. J'avais oublié qu'il y avait cet incroyable détail là, même décrit. Qu'il a dit gaga d'art. Vu qu'il y a de la poussière, j'ai pu le voir là, de base, je l'ai jamais regardé. And here is she. On devrait maintenant être rassuré à l'idée que je suis pas un connard et je compte pas tout revendre. Dans tous les cas, je le vois dans tes yeux maintenant, qui sont beaucoup plus propres d'ailleurs, que tu as confiance en moi d'un coup. Je suis pas un connard, je compte pas te revendre. Here's my amazing second zombie gaga avec la petite ceinture du coup, qui rajoute un petit truc en vrai, notamment avec la forme de la robe que de base est un peu ennuyante. Et ça, la petite jupe, c'est le truc de Rochelle.
mais je l'ai pas mise parce que ça va pas trop. Maintenant que je l'ai lavé, je peux vous dire au revoir. Je suis vraiment venu, j'ai fait soyez heureux pour moi et je suis parti. Mais c'est ça, genre, j'espère quand même que ça vous a plu. Et restez connectés parce qu'il y a la review de Clear Denial, Holiday et Frankie Voltages qui arrive. Can you tell I'm working now? Plein de gros bisous, à plus sur ma chaîne. Aucune influence à la poupée dans la vidéo, elle était juste nulle, flat la vidéo alors qu'elle en méritait tellement plus. Je suis trop content que la période fin d'année arrive. C'est pour ça que je me bats à faire des cadeaux.